interpret that in defense of freedom during World War II was shot down near this site 75 years ago. Thank you all for joining us to commemorate this historical event. And thank you especially to Mayor Fabrice Robillet and our hosts, Jean-Yves Renault, Georges Lemaire, without whom today's gathering would not be possible. We also want to acknowledge and thank Olivier Progin, qui en défendant la liberté pendant la Deuxième Guerre mondiale a été abattu près d'ici il y a 75 ans. France had been occupied for almost 3 years, and the Allies had only started the process of ramping up their air campaign. The sight of B-17s overhead would have represented the first visible evidence that help was on its way. Pour moi, c'était parmi les expériences les plus inoubliables de ma vie de regarder les visages des personnes plus âgées qui assistaient à la cérémonie et de penser qu'ils étaient concevables que certains d'entre eux auraient pu faire partie du groupe Hard qui m'entourait tandis que je me débarrassais en toute hâte de ma parachute avant l'arrivée des Allemands. Comme vous l'a déjà raconté, Monsieur Stéphane Le Floch, l'avion occupait la délicate position des flancs de formation, une position peu enviable pour sa vulnérabilité exploitée par les chasseurs allemands. 6 aviateurs ont péri dans le crash, Monsieur Cullinan, Miss Garland, Mitchell North. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de vous recevoir ici à Breck, devant la stèle de Kerry Vallant, en présence de la famille américaine du bombardier Joseph D. Boyle. J'ai déroulé dans le ciel breckois pendant la Seconde Guerre mondiale, cela vient d'être dit. Je voudrais devant vous dire combien il nous appartient à tous, élus, anciens combattants, enseignants, citoyens, d'entretenir le souvenir de toute une vie. Mitrailleur latéral inhumé dans un premier temps au cimetière de Guidel, puis à la fin de la guerre au cimetière militaire américain de Colville-sur-Mer en Normandie. Staff Sergeant Denis Cunningham, West Dunham, just rebuilt at Guidel Cemetery,
Then to the Normandy, American, military, and the wing from the air. Le sergent Harry Mitchell, which flew on February 19, 2018, over the Normandy American Cemetery at Colville-sur-Mer. Leslie Schiffs. Alison Lurch, fille de Joey Boy, reçoit le drapeau de la part du président du comité du souvenir français, Doré Pluvigné, le colonel Didier Rose. Alison Lurch, Joey Boy's dancer, receives the flag from comité du souvenir français Doré Pluvigné président, Mr. Didier Rose. Monsieur Joseph Boy, fils de Joe Boyle, reçoit de la part de Fabrice Roblet, maire de la ville de Breck, le drapeau. Joseph Boyle, Joe Boyle's son, receive the flag from Breck Mayor, Mr. Fabrice Roblet. Je pense qu'on peut applaudir ce moment si vous le souhaitez. Avant de clôturer cette cérémonie, je voudrais remettre au fils de M. Boyle et à ses sœurs, je voudrais vous remettre la médaille de la ville, de la commune et vous faire par la même citoyen d'honneur de notre ville. Nous sommes très honorés de votre présence aujourd'hui. L'émotion nous envahit les uns les autres. C'était exceptionnel ce moment. Merci de votre présence et encore on peut les applaudir. Merci. C'est pas long.
c'est un grand angle. Hein. Presque. Ouais. Un panoramique. Bah ouais. C'est mieux. And now $1 the pitcher. And to celebrate the fact that you had the occasion to spend time with us, the association LBMG Liberty Bridge Memory Group is going to give you a little souvenir so that you won't forget. Never could. Il y a vos abeilles. Mais ils t'en mettent une abeille. Ah, ready for it. Ah, yes, yes, yes. Voilà. Très sympa. Comme quand vous prendrez le café, vous penserez le thé, le café ou le thé, vous penserez à nous, oui, à cette commémoration. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci. 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 Okay. Qui était, oui, intégré à partout. You want to do a little drive, No, the kids might. You want to drive? Okay. Pearls. Oh, for the best. Always appropriate. You can wear pearls anywhere. You can dress them up. You can dress them down. I need a tank. So that the fighting out, so we can get power out, that's it, so they can send it to the cars.
No, I see a lot of other boats going behind that island. Why don't we go behind that island? There was a cannon here, and you also have three other aircraft towers here, and bunkers just all around the base, and all around Lorient, everywhere, we also have a lot of bunkers, anti-aircraft bunkers. So here it was protected like a treasure. It was Tell my dad, how about sorry, the loyal desire to get back to Amsterdam? Loyal nature lovers. We're talking about something after we got off the bus. I would go back in a heartbeat. I had loved it. I'd go back to it. I just find out that I'm looking at the one I know. They are loyal. Adorable. These rocks don't belong, they're not from this region. Oh, what do you mean? Why not? Well, maybe they got dropped out of a B-17. No, a spaceship, a UFO, because somebody had collected them and they said, oh, we're over our weight limit, you can't go back. J'entends la voix des sages et je chante avec eux.